ក៏ចុះបាទអញ្ចឹងព្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពឲ្យមុននឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីហើយតំណងជាអរលោកលោកស្រីចក្រមមានតំណួរនិងចំពោះសាក់ស្រីនេះហើយប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញយកចក្រមថងមកឡើងវិញ Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le témoin. J'aurais quelques questions à vous poser pour préciser un certain nombre de réponses que vous avez données jusqu'à maintenant. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément quelles étaient les installations et les équipements de l'aéroport de Kampong Chhnang ? Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Est-ce qu'il y avait une piste d'atterrissage? Est-ce que vous pouvez nous décrire sa dimension? Est-ce qu'il y avait d'autres équipements? Alors, il y a peut-être un problème de compréhension. Je ne vous parlais pas de l'aéroport de Po Chiang Tong, je vous parlais de l'aéroport de Kampong Chhnang. Est-ce que vous pouvez nous dire si, sur cet aéroport, vous avez... il y avait une piste d'atterrissage, et nous décrire la dimension de cette piste. នៅព្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងផ្លូវមាន7800សម្រាប់យន្តហោះចុះចតហើយផ្លូវនេះទាំងសងខាងផ្លូវផ្លូវ2ទាំងសងខាងផ្លូវគឺក្នុង1ទៅតឹង50ម៉ែត្រផ្លូវ1បាទ Et si on compare avec les pistes qui existaient à l'époque à Po Chiang Tong. Ces pistes étaient-elles plus grandes, plus petites, de même dimension que celles qui existaient à Po Chiang Tong? Est-ce que vous pourriez nous décrire, nous dire s'il y avait des grottes qui avait été creusé dans la montagne. Est-ce que vous pourriez nous les décrire? Et est-ce que vous savez quel type d'avion devait être caché dans ces grottes? Mais c'était pour cacher des avions civils ou des avions militaires?
Je voudrais qu'on revienne en arrière et qu'on revienne à la période où vous êtes entré dans la révolution. Vous avez dit vendredi, quand vous avez été entendu, que vous êtes rentré dans la révolution à l'âge de 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes engagé volontairement dans la révolution ou non ? Et on a fait pression sur vous. Quel type de pression a-t-on exercé? ច្បាប់ធម្មជំនិតជូនអង្គតឡាការនៅពេលនោះគេហៅឪពុកយកទៅប្រជុំហើយគេប្រាប់ថាអ្នកណាមិនព្រមលះបង់កូនចៅឲ្យទៅសមាភូមិទីនោះគេនឹងធ្វើទុកទោសដល់ម៉ែឪដូច្នេះត្រូវតែជំរុញកូនចៅឲ្យទៅ Donc vous êtes engagé parce qu'on a menacé votre père d'être maltraité si vous ne rejoignez pas les rangs de l'armée. Est-ce que à partir du moment où vous avez rejoint les gens, les rangs de l'armée, vous avez subi des séances d'endoctrinement? Est-ce qu'on vous a enseigné ce qu'était la doctrine révolutionnaire et en quoi elle consistait? Est-ce que l'on vous a dit qu'il fallait avoir de la haine vis-à-vis de ces groupes? Et quand on vous disait qu'il fallait se venger, qu'est-ce que vous entendiez par là? Est-ce que ça voulait dire qu'il fallait que ces gens subissent un sort particulier? Est-ce qu'il fallait qu'ils soient tués? Qu'est-ce qu'on disait? De quelle façon devait s'exercer la vengeance? Quel était le sort qui devait être réservé à ces classes?
Est-ce que ces classes devaient être éliminées? Avant que vous ne rentriez dans la révolution, vous avez été moine et vous étudiez à la pagode. Est-ce exact? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on vous enseignait lors des séances d'endoctrinement par rapport à la religion, au bouddhisme ou à d'autres religions, que ce soit chrétiennes ou musulmanes? Est-ce qu'on en parlait et si oui, qu'est-ce qu'on en disait? Avez-vous été témoin de mauvais traitements réservés aux moines ou avez-vous été témoin de destruction dans des pagodes? Et après 1973 ou 1975, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été témoin de certaines choses? C'est quelque chose que vous avez personnellement vu ou c'est quelque chose qu'on vous a simplement dit? Est-ce que vous avez été témoin de la destruction d'édifices religieux?
que ce soit des pagodes ou des églises. C'était où? Et savez-vous s'il y a eu des destructions de pagodes ou si on a porté atteinte à des statues, par exemple dans des pagodes? Vous l'avez su après? Et qu'est-ce que vous avez su? Est-ce que vous avez des amis qui ont été moines avec vous autrefois, que vous avez rencontrés par la suite, qui vous ont expliqué quelle avait été leur expérience et ce qui s'était passé? Est-ce que cela s'est produit ou non? Je voudrais maintenant qu'on aborde un autre sujet et je voudrais vous poser quelques questions pour compléter l'interrogatoire de Monsieur le procureur ce matin par rapport à la réunion au cours de laquelle on a diffusé un enregistrement sonore qui contenait, semble-t-il, les aveux de Ta'un et Ta'kum, qui étaient vos supérieurs. Est-ce que vous savez d'où venaient ces enregistrements sonores? Est-ce qu'on vous a dit de quoi il s'agissait?
Et cela concernait exactement quel cadre? On a parlé ce matin de Ta Un et Ta Com. Est-ce qu'il y avait d'autres cadres que ces deux-là? Et est-ce qu'on a dit d'où venaient ces aveux et où ils avaient été enregistrés? Est-ce que vous avez entendu parler de S21? Donc, c'est sur la base de ces aveux obtenus à S21 qu'on a accusé publiquement vos supérieurs d'être des traîtres. Est-ce bien exact? Alors, on ne va pas discuter du contenu de ces enregistrements. Mais vous avez donné des indications ce matin à la suite des questions posées par le procureur pour dire qu'à votre avis, il y avait eu un projet pour renverser le régime en place, le régime Khmer Rouge. Et vous avez dit, sauf erreur de ma part, que vous aviez noté qu'il y avait eu des transports d'armes et de munitions. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément par rapport à ce que vous avez vu personnellement, en quoi consistaient ces transports et pourquoi vous ont-ils permis de penser qu'il y avait un projet de renverser le régime? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Ces armes étaient transportées d'où à où? Où étaient-elles entreposées? Et pourquoi avez-vous pensé qu'elles allaient servir à renverser le régime? Donc
Quel dirigeant, de quel dirigeant parlez-vous? Est-ce que vous parlez de Ta Eun et Ta Kim? Est-ce que vous parlez d'autres dirigeants? Donc Ta Eun a parlé à ses troupes, à ses soldats. Et il leur a dit qu'il voulait qu'ils soient mieux traités et qu'ils reçoivent un salaire. C'est bien cela? Mais est-ce qu'il a dit qu'il fallait renverser le pouvoir qui était en place pour arriver à ce résultat? Est-ce qu'il a parlé d'un coup d'État? Est-ce qu'il a parlé d'une prise de pouvoir? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez entendu personnellement, ou est-ce que c'est ce que vous avez entendu lors de la diffusion des enregistrements audio, des enregistrements des aveux provenant de S21? Bien. Alors, on oublie les aveux de S21 pour l'instant. C'est un problème que la Chambre examinera plus tard. En dehors de ce que vous avez entendu dans ces aveux, est-ce que vous, personnellement, vous avez assisté à une réunion dans laquelle Ta Eun a dit qu'il fallait renverser le pouvoir en place? Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle occasion et quand cela s'est passé? Et est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle cette réunion a eu lieu? Je ne sais pas si vous avez
À ce moment-là, vous étiez toujours dans l'unité K4. Est-ce que vous étiez à Phnom Penh? Est-ce que vous étiez au nord de Po Chen Tong? Où étiez-vous exactement? Vous avez décrit les conditions de travail dans ce lieu. Est-ce que à ce moment-là, vous aviez déjà subi des mauvais traitements en vue de votre rééducation? Vous étiez déjà en train d'être rééduqué à ce moment-là? Ou c'était avant? Donc la rééducation a commencé combien de temps à peu près après l'arrestation de... Est-ce que ça a commencé après l'arrestation de Ta Eun et Ta Kim? Et si oui, combien de temps après? Est-ce qu'il y a eu plusieurs réunions dans lesquelles Ta Eun a parlé de ce projet de renverser le régime en place? Ou est-ce qu'il n'y en a eu qu'une seule? Et à cette réunion, il y avait combien de participants? Toute la division, ça représente combien de personnes? Si j'ai bien compris, votre unité d'handicapés était déjà une unité qui comprenait 600 personnes. Donc toute la division, ça représentait combien de personnes? Et cette réunion, elle a eu lieu où exactement?
Donc c'était dans Phnom Penh. Cette réunion avait eu lieu dans Phnom Penh. Et les armes avaient été amenées dans Phnom Penh. Est-ce que les armes étaient déjà là quand la réunion a eu lieu? Donc les armes avaient été amenées sur le lieu de la réunion ou est-ce que les armes avaient été amenées ailleurs? Et vous savez où étaient entreposées les armes? Mais ces armes, vous les avez vues dans Phnom Penh ou on vous a simplement dit qu'elles étaient transportées dans Phnom Penh? Et si on vous a dit qu'elles étaient transportées, qui vous l'a dit? Donc c'est Ta Eun qui a dit que les armes étaient arrivées dans Phnom Penh. Est-ce qu'il a dit quand le renversement du régime, quand est-ce que le coup d'État devait intervenir? Donc, il n'a pas donné de date précise, mais est-ce qu'il a dit que ce coup d'État allait intervenir bientôt, rapidement, ou est-ce qu'il a donné des précisions? Est-ce qu'il y a eu des protestations parmi les gens qui assistaient à cette réunion ou est-ce que tous les participants étaient d'accord avec ce projet?
Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps après cette réunion Ta Eun et Ta Kum ont été arrêtés? Et est-ce que vous pouvez, je sais que c'est compliqué, mais nous donner des dates? Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle tout ceci a eu lieu? Selon vous, est-ce que vous pensez qu'ils ont été trahis? D'accord. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a dénoncés? Comment avez-vous su qu'ils ont été arrêtés un jour après la réunion? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a dit? Et est-ce que vous savez qui les a arrêtés? Et donc, comment savez-vous qu'ils ont été arrêtés un jour après la réunion? Et cette réunion de rééducation, elle a eu lieu combien de temps après? Donc, si je résume, vous avez assisté à une réunion présidée par Ta Eun. Cette réunion regroupait les soldats de votre unité de soldats handicapés.
Il y avait également des soldats venant de toute la division. Cette réunion a eu lieu à Phnom Penh, à côté du Wat Nom. Au cours de la réunion, Ta Un a dit aux participants qu'il fallait qu'ils soient mieux traités, qu'ils reçoivent un salaire, qu'ils puissent aller rendre visite à leur famille. Il a déclaré qu'il fallait renverser le régime en place. À la suite, il a également déclaré qu'il y avait des armes qui étaient arrivées à Phnom Penh. À la suite de cette réunion, Ta Un et Ta Kim ont été arrêtés. C'était un jour après la réunion. Et deux jours après leur arrestation, il y a eu une réunion de rééducation au cours de laquelle on a diffusé l'enregistrement sonore de leurs aveux. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous avez dit, monsieur? Voilà, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, monsieur le président. បាទឥឡូវដល់ពេលសំត្រប់សម្រាប់ដែរហើយអរគុណព្រះកាសសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តនៅកិច្ចចំណើរការសម្ដែងការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក្រុមរួលរដ្ឋកលែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ស័យនិងដល់សាក់ស័យរូបនេះនៅនៅថ្ងៃនៅបន្ទប់សម្រាប់សម្រាប់ស័យនឹងអ្នកជំនាញនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតសេកម្មន